IHP Media. Tournant par haut, basan par la science occulte. Au Congo, on a toujours basan tourmenté par des démons. Parce que les grands chiens ont comme des agents des démons. Or, le travail d'un démon, c'est quoi? C'est de tourmenter. C'est pourquoi vous voyez que l'héritage de cette femme est tourmenté. Mais il y a une chose que cette femme a faite. Elle s'est approchée de Jésus. Il a poussé à qui na Yesu. A ébissi Yesu biki sangai. A zui engagement ko benga Yesu Seigneur. Elinge loba. Na uti na ngambo na mususu. Mbwa oya munene wana. Satana oya maseke milai. A nyokoli ngai. Badona ngai moko abruaye ngai. Vina nga depuis na kende pa na ye na zlagasu. Toujours na se ya tourmentation. Na tourmentation. Na tourmentation. Na tourmentation. Lelo na lembi vi wana. Na yo ki pasi tronzan. N'ayez pas na yo, yonde koma Seigneur nangai. IHP Media. Quand vous allez chez le diable, oyo non son zamba pesa yo gratuitement. Satan a kolukaba na ko tungisa yo, a compliqué yo, a déstabilisé yo, a broyé yo, a écrasé yo. Bamba kako kanisaka ke tango zo yiba, tango zo sala ma sumu, tango zo kenda ko lukaba, tango zo kenda ko chila kaba to ba poison. Tant que vous avez un bon moment, vous avez un bon moment. Tant que vous avez un bon moment, vous avez un bon moment. Vous vivrez bien. Jamais. IHP Media, la chaîne qui vous édifie. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Vous tous qui êtes exclusivement branché à votre chaîne, la chaîne chrétienne, la chaîne qui vous édifie, EHP TV, EHP Media, la chaîne qui chaque fois vous apporte la nourriture qu'il faut. Eh bien, nous sommes encore à notre rendez-vous d'aujourd'hui. C'est à la présentation de votre frère, le pasteur Chérubin Maïmouna, qui ne cesse chaque fois de communiquer avec vous pour qu'ensemble nous puissions découvrir le merveille de Dieu. Parce que tous ces derniers temps, le Seigneur ne veut que nous faire des merveilles. Eh bien, c'est comme tous les autres auteurs, tous les prédicateurs qui passent, ne parlent que de merveilles parce que notre Dieu nous a préparés pour le merveille. Il nous a créés pour que nous nous réjouissons. C'est comme ça qu'il dit que le projet qu'il forme pour vous, pour nous, c'est le projet de paix. Tout ce qui est bonheur, tout ce qui est bien, tout ce qui est prospérité, c'est ce que le Seigneur veut pour nous. Nous continuons toujours avec notre thème, le texte que nous avons lu hier, le texte de Matthieu 15, du 21 au 28e verset. Hier, nous avons parlé du silence de Jésus. Parce que les textes, nous reprenons la lecture pour lire Matthieu 15, le verset 21 jusqu'au 28e verset. Jésus étant parti de là, se retira dans les territoires de Tyr et de Sidon. Et voici une femme cananéenne qui venait de ses contrées, lui cria, « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par les démons. » Il ne lui répondit pas un mot, et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec instance, « Renvoie-la, car elle crie derrière nous. » Il répondit, « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Mais elle vint se prosterner devant lui, disant, « Seigneur, secours-moi. » Il répondit, « Il n'est pas bien de prendre les pains des enfants et de les jeter aux petits chiens. » « Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent le miette qui tombe de la table de leur maître. » Alors, Jésus lui dit, « Femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. » Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avions parlé précédemment du silence de Dieu, du silence de Jésus. Nous avons dit que le silence, ce n'est pas parce que Jésus est méchant, mais parce que cette femme-là est l'image, elle représente les personnes qui sont dans le péché. La personne qui est dans le péché à cause, pourquoi? Parce qu'on a donné ses origines. Pourquoi
on prend soin d'identifier ses origines parce que cette femme est une représentativité de l'homme dans les péchés. Et chaque fois, si aujourd'hui nous trouvons qu'il y a des problèmes au milieu de nous, nous prions et que le Seigneur n'exauce pas, c'est à cause de nos fautes. Mais aujourd'hui, nous venons à la deuxième parole qui dit « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues d'Israël ». Cette parole, lorsque vous écoutez une telle réponse, ce n'est pas la xénophobie. Et ça, c'est parce qu'il y a lingi batouté. C'est parce qu'il y a un tribaliste. Mais je vous ai dit qu'il y a d'autres textes qui sont théologiques. La première des choses, il faut savoir définir Jésus. C'est comme ça que Jésus s'est défini lui-même étant un envoyé. Il n'est pas n'importe qui, mais un envoyé. Et dans son discours programme, dans Luc 4, il dit, vous allez lire à partir du 17, 18e jusqu'en bas, quand il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle. Il est venu annoncer la bonne nouvelle. Et chaque fois qu'il est en face d'une personne, c'est que Jésus a sa la mission. Ce que tangi na ba récit synoptique, na ba récit évangile, ce que moni Jésus a en face d'une personne, yeba que la raison yakoya na ye azo sala yango en face de cette personne. C'est pourquoi aux hommes on a réponse le coup là, je n'ai été envoyé que. Le terme qui est très essentiel dans cette expression est un terme envoyé. Motin d'ami. Alors, ce que tangi na début ya texte na biso au komona. Moi, si Oyo a utilisé deux termes pour appeler Jésus, le premier terme, c'est le Seigneur qui a laissé silence Jésus, silencier Jésus, et le deuxième terme, c'est Fils de David, le verset 22. Et voici une femme cananéenne qui venait de ses contrées, lui cria : Aie pitié de moi, Seigneur, Virgile, fils de David. J'ai avec moi la version Louis II. Fils de David, les amis. Le titre fils de David Oyo est le titre ya roi Oyo akoya physiquement en Israël. Un roi qui viendra physiquement en Israël. Et donc, c'est lui qui devrait l'appeler comme ça fils de David pour que Jésus réponde théologiquement et spirituellement tel que dit le texte. Jésus, parce que Jésus était 100% homme et 100% Dieu. Et ici, j'ouvre une parenthèse pour vous dire pourquoi Jésus devrait porter le corps. Pour nanini, il faut aller dans Zoto. Pour nanini, Yesu a qui obligé à aller dans Zoto, c'est parce que, d'abord, un, il faut accomplir la promesse qui a été donnée à Esaü, qu'il faut abotama, azala mutu, pour s'identifier à nous. Comme avait dit un auteur, je suis un homme et je comprends les hommes. Et le Seigneur, en tant que Dieu, a voulu comprendre l'homme en étant lui-même homme. Ça, c'est la compréhension. Aussi, alors qu'il y a là tant d'autres, pourtant, on commence devant Moutoumoutou, à qui m'a été, à Banga a été, à mon aïe qu'il est abordable, il peut parler avec les gens. Moutou, à quoi se l'on aïe? Parce que, ce que Ayaka l'a dit ensemble, on n'allait pas aimer Dieu, mais on allait tout simplement craindre Dieu. C'est à ce moment-là, tout celui qui suivrait Jésus le suivrait en hypocrisie. Mais les hommes ont été bien dit que les gens hypocrisie pour nous. Parce que les gens ont été dictateurs, qu'ils me craignent, qu'ils me haïssent, mais suffit qu'ils me craignent. Parce que lui est amour. Il a voulu que les gens s'approchent de lui par amour. Bien aimé, c'est pourquoi Jésus a pris le corps. Et il y a aussi place aux alliés. Quand Jésus est venu sur la terre et qu'il est en face de toi, le lingaza en face à maman, oh, il a pris ce corps-là, c'est pour que toi, tu n'aies pas assez de distance au banga banga iti, mais que tu lui dises ce que tu as besoin, que tu puisses l'aborder. C'est à cause de ce corps que moi, oh, azwa ki ngolu ya ko pousse dans la pembe na Yesu. Yesu sera là ta ganzoto te. Oh, gloire soit rendue à Dieu. Mais les biso le lot ba simple hypocrite, mais le batutu ba banga ka, ozoma ba tozo ki pas Satan ba zo ki. Parce que Satan a pu azwa bongo. Satan, à cause de l'intimidation, c'est pourquoi il y a des gens qui ont été en train de se faire.
Mais en Jésus, il aime que la personne aille librement. Et il a porté ses corps. Et il était aussi 100% Dieu. Pourquoi? Parce que, d'abord, pour finir avec le corps, il faut aller dans d'autres. Parce qu'il faut accoufa. Objectif, il y a un zambé, c'est là qui est à Yanamokilipo, à Longaliwa. Il ne peut pas venir en tant qu'esprit à Kokoufa parce que l'esprit est immortel. Esprit est Kokoufa, c'est pourquoi il y a un zambé, Ponzoto, on a Ekoufa. Ponzoto, on est surchargé à Kabiso. Il a voulu sacrifier ses corps, menacer ses corps, afin que nous soyons incapables de maintenir Kabiso pour jusqu'à à tel niveau que Toko n'aura jamais qu'on s'est délivré. Et le Seigneur a tué ses corps. Il a tué ses corps. Mais objectif à ce, c'est cela qui n'est rien. En tant que Dieu, pour qu'il puisse vaincre le mort, la mort, pardon, il faut qu'il vienne en Dieu. Et il est venu en homme pour mourir. Et il y a Yakina en tant que Nzambe, 100% Dieu, pour vaincre la mort. C'est comme ça, en tant qu'homme, il va mourir. Mais en tant que Dieu, il va ressusciter. Et le Seigneur était revenu avec force en vie. C'est pourquoi Jésus est venu pour ses deux missions, porter le corps pour qu'il puisse mourir et en tant que Dieu pour qu'il puisse vaincre la mort. Et aujourd'hui nous sommes libres, la présence en Zambe. Le Seigneur a vaincu la mort. Il a vaincu la mort. Si je viens juste te dire toi aussi à ce moment-là, ma kamonyoso oyesi ekufi na vie na yo. Et si ekufi na bomoi na yo, vie spirituelle na yo ekufi à cause ya charge moko boy. Ba maloba moko ba lobela yo elimbisa même ko sambela. Ma maladie moko eyela yo et baby sa ba mbongo na yo pe ozala ka soba opportunité te. Mais je te rappelle, Dieu, Jésus est venu en deux. Il est venu en homme et en Dieu. Il est venu en homme pour détruire ce qui est destructible et il est venu en Dieu pour reconstruire ce qui est d'origine divine, les corps que Dieu a créés. Et au moment où il partit pour le ciel, déjà Amélie là qui n'a m'embellé, Akena qui n'a nzoto, oh, c'est pour te dire. Reste calme parce que le Seigneur viendra te prendre. Même si tu meurs aujourd'hui, comme disent les évangéliques, même les épîtres pauliniennes, et sur le baquet, mourir pour un enfant de Dieu, ce n'est qu'un sommeil. Tu reviendras à la vie. Amen. Fils de David, et ça titre, Oyobana Israël, Bazela Ranzambe, Akokita Boye, Pona Aboma Bangounia Nabango Nios. Parce qu'il y a des promesses matérielles à Israël. Des promesses matérielles. Et ces peuples-là, vous allez rendre compte que tant que vous êtes dans la Bible, ils n'ont pas besoin d'être spirituels. Quand le Messie devrait venir, il doit venir en chair comme ça. Et au commun, la plupart des Juifs, ils ne sont pas les Juifs, ils ne sont pas les Juifs. Ils ne multiplient pas. Ils n'ont jamais compris que celui qui multiplie le pain là est aussi venu pour vous donner le vrai pain qui est la vie éternelle. Le vrai pain, qui est la vie éternelle. Et donc, quand cette femme-là va demander des choses matérielles des Juifs, le Seigneur ne peut pas lui répondre, lui répondre comme ça, parce que ça ne peut pas aller. Il faut simplement une réponse juste pour les nations. Moutounyonso, qu'est-ce qu'il fait aussi comme ça? Moutounyonso, il y a un problème, il y a une morale perturbée. Parce que cette dame ici, la Bible présente que c'est sa fille qui était tourmentée. Sa fille qui était tourmentée. Donc, ce qui est un problème, elle a toujours perturbé. Mais le plus grand problème aussi pour cette femme, c'est que ses origines, en tant que Moutiamassoum, qu'est-ce qu'il faut adresser à Dieu? Bien-aimé, Moutiamassoum, vivre vie à Massoum, même le sang bonnet, c'est la cadrette. Au commandant de Babylon, tu vas commencer à vaciller dans tes prières. Pourquoi? Tu vas faire des prières comme dit Matthieu 6, tu vas multiplier des vaines paroles qui risquent de te créer des problèmes. Et Jésus ici réagit. Il réagit. Que na yaki pona binoté. Cela veut dire quoi? Ce que tu me demandes là, ce n'est pas pour cela que je suis venu. Et c'est pour ce peuple-là, le peuple-là qui est à côté. Un peuple qu'il a appelé à cette époque-là, s'il faut bien voir, un peuple ignorant qui ont voulu un roi matériel, un roi physique. Oya Robimisa Bango sous esclavagisme romain. Mais lui était plus que ce roi-là. C'est pourquoi je vais te dire que celui qui est en face de toi,
Jésus là que tu vois là, il est plus que le roi, plus que le président, plus que le roi de tout le royaume, plus que tous les milliardaires, il est plus que tous nos parents, il est plus que tout ce que vous connaissez là. Lui est au-delà de cela, parce qu'il donne ce que les gens ne peuvent pas avoir. Et il peut donner même ce que les gens n'ont pas demandé. Et le problème est à recadrer. C'est pourquoi mon abba prière non moussous au Saint-Guiboye, mes conséquences et les dingues moussous. Parce que tant que vous avez un état à bien tenir ensemble, vous avez un état à bien tenir ensemble. Et par preuve, tu ne lis pas la Bible. Au moins, en même temps, vous avez des carences de paroles dans la lecture, dans ta prière, pardon. Tant que vous avez un état à perte de paroles, tu ne sais exactement pas où vous avez un Saint-Guiboye, pas un colo. Pourquoi? Parce que l'état où vous avez représenté dans vous, l'origine, il y a les sous dans vous. Ils ont pris ça au contrôle, ils ont bungi ça au connaissance. Tu vacilles, tu te perturbes, bien-aimé. Prends le temps de lire la Bible, constate la Bible. Et comment on a au cosoir et que ça la yom qui toque ma casse. Parce que tant au cosoir, tant au temps la Bible, tu vas comprendre la parole de Dieu. Le lingue mon canaille Josué 1 le verset 8 et le bi. Beaucoup oh yo ya mi beko biblia. Et ça la musique en yoté. Mais toi, le péché te fait perdre même la connaissance de la parole de Dieu. Tu ne sais plus lire la Bible. Et par conséquent, tu vacilles dans tes prières. Tu t'embrouilles dans tes prières, bien-aimé. C'est ça que tu dois chercher. Et ça, c'est que Yesu aza méchant, aza tribaliste, non. Mais parce que Moutou aza semble en face naïe, à vacier, aza yé bate nini à senga. Bien aimé, je te rappelle, chaque fois aza tourmenté, chaque fois que tu es comme ça, pense toujours à revenir à la connaissance de la parole de Dieu. Le sambo nui aza la cadre. Et vrai le sambo cadre, c'est lorsque tu te donnes à la lecture de la Bible. La parole de Dieu, il y a deux paroles. Il y a la parole écrite qui est la Bible. Il y a la parole vivante qui est Jésus, le Saint-Esprit. Tant que mon souci sur vos mains que au comme il kilo na maloba ensemble. Belle là la parole vivante qui est Jésus. Il y a la parole écrite qui est la Bible, Simba yango. Et belle là place mon souci sur la place Bible les athées. Mais tu pries sous cœur, cher et Saint-Esprit. Sungangai, il révèle moi. Na yeba nino lingoloba. Yesu yaka. Parce que la parole vivante de Jésus est toujours en vie. Et il communique à ses peuples. Alors, il y a une vision. Alors, il y a une note. Alors, il y a une voix audible. Il y a une intimité dans Nzambe. Nzambe a permis de se et tant que nous sommes en train de se faire, il y a une copie de la solo. Il y a propre pour adresser par Naïe. Calculez comment vous avez une vie de prière. Non, et comme ma bé. Tu ne sais pas trop faire. Au comment l'emba même au lobby na sambeli tellement trop que nous avons réponse t. Est-ce que au sambeli la réellement dengue bibli ezo singa? Est-ce que au mimo na kate ki état ya péché na yo et ça la cause la vaciller et à cause même ya vie ya masomo vie de prière est diminuée. Ba jour mo so sambeli la avant tant au banika ko sambeli moke au lali. Au comment l'obabi lobela na sel au sambo. Jour mo so à cause ya ba faiblesse na yo wana. Si Oloba Maloba Moko Bouye, et dérangeant même une zambe. Dans le sens, il y a dérangé, tu peux comme il s'est mal à l'aise. Mais on me maudit ça, yo moko. Parce que ce que vous avez fait, fort dans la prière, au moins, comme le Babylobé, la zambe, zambe, moutouna yo, zalo la avion, moutouna yo, zalo la locolo, zambe, koyate pembe na ngaye, na lembe, na lembe. Ça prouve qu'il y a du poids du péché en toi. Cette fois-ci, dit au Seigneur, Zambe, la moussanga il sous, n'a zoa ma casse, n'a tambo la nenge lingio, n'a sambe la lissus, n'a na sambe la. Malobananga, ils a la bousculité, mais n'a yeba prière, on a zo loba, ils a la directement, ou yon kolos an amoposa, n'a lobe la yo. Cher Saint-Esprit, yaka katina ngai, pesa ngai maloba ya tina, afeke na yeba ko senga, ou isa ya tina. Texte autres autant bien aimé, ce qu'on t'a bien, et ça texte est la prière. Quelqu'un qui fait une demande, c'est ça la prière. Mais sa prière trouve des obstacles. Pourquoi? État d'âme naïe, vie naïe, et ça cadreté. Ça, c'est le côté négatif de cette dame. C'est le côté négatif. Bien aimé, je ne peux pas lui répondre comme ça. Pourquoi?
Parce qu'il n'est pas venu en tant que roi physique, mais il est venu en tant que roi spirituel. Il n'est pas venu accomplir les promesses physiques de l'Israël, mais les promesses de la grâce de tout le monde en tant que roi spirituel. Au commun, dans cette question, la réponse de Jésus signifie « Azo ramené sous moi si oyo a se découvrir. » À découvrir sous dimension ou sous onzambalinga mais makati na vie nae. Le Seigneur ne lui répond pas en tant que mutumukaza cadré papa juif. Parce que Jean Alobi, il est venu chez les siens, mais les siens ne l'ont pas reçu. Et dans ce sens, lorsque moi suis au tangele local exclusif, yaba yuda yo, yes ozo mona mawapona moi si o soga yebaga ouverture de la grâce nae na ngo. Ma kambozo senganga c'est parce que via ma soumou ezola ezo sala ko omona te mutaza en face na yo. Ozo benganga Seigneur c'est vrai, mais ozo vaciller ou accès au fils de David, tu ne sais pas me cadrer. Le terme Seigneur ozo utilisé et ça terme parce que au commun la difficulté. Et ça le ko la ba difficulté mon sous David. Azalaka nango. Tant qu'a commis devant Goliath, azu psaume 23 comme yemba. Même quand je marche dans la vallée de l'ombre et de la mort, je ne crains aucun mal parce que Dieu est avec moi. Waouh, quelle assurance! Ici, David il reconnaît que Dieu est toujours présent avec lui. Mais ce qui est regrettable, tant qu'on a commis devant la femme d'Uri, il y a soldat naïe, à monnaie, convoitise et latiye, à keti asale, kobona moisiwana, a ignoré que Nzamba za pembe naïe. Batebele baza bongo, baye baka que Nzamba za pembe naïe, soka komi na passe. Soka komi na passe. Mais tant qu'on a en face ya kosala lisumu, akanisaka Nzamba za lisusu wana te. Soka komi place ya bien, Nzamba za na ye. Na ba boite de nuit Nzamba za te. Na ba chambre ya mike mike wana Nzamba za te. Loboko mulayi Nzamba za te. Bien aimé, cette vie là que tu mènes là, même biso auto za physique tozo mona te, mais Nzamba zo mona yo. Ezo bloqué pe ba prière na yo. Tu deviens un homme vacillant, une personne vacillante qui ne voit pas clairement le visage de Dieu. Mais le Seigneur remonte encore une autre dimension. La femme insiste. Cette insistance a aussi une interprétation. Et l'ingémona na à ce moment-là dans mon zamba zo même moi si on a la pédagogie na yé, la femme commence à se découvrir parce que a insisté Yesu sunganga inzambe sunganga. Et on dit, Eza malamute, kope sa bilia yabana, o yabana, kope sa yamona bambwa yamike. Le petit chien, Eza insulte te, parce qu'à l'époque, ici Jésus n'insulte pas. Mais à salikara, Eza, j'ai expression yakala, o yabano yabano yitilizaga, na période wana. Quand on dit, les chiens étaient qualifiés, tous les païens, les gens qui ne croient pas en Dieu, qui n'ont pas les dieux, qu'on appelle les dieux d'Israël, selon les juifs, on considère leur Dieu comme un Dieu national, un Dieu exclusif dans Israël. Alors que Yemo Gonzambe, Adonai, Amiyebagite Kazaka Nzambe, Bayudai, Amiyebagi Kekombonezaki éternel depuis les temps anciens. Mais Bango Bayudai, parce que Baza battu des égoïstes, va regrouper Nzambe, va commissier Dieu national. C'est pourquoi tous ceux qui n'étaient pas juifs étaient considérés comme un chien. Mais ce qui est remarquable ici dans le langage de Jésus, il utilise le terme petit chien. Le petit chien, c'est qui? C'est qu'il y a un grand chien. Alors, le grand chien, c'est qui? Le chien est l'image, et cette image, il y a prostitution, il y a idolâtrie, il y a le soum. C'est que le grand chien, le plus grand pécheur dans ce domaine, c'est Satan. Et Moutounius, il y a la vie à ma soum, il y a sous l'emprise du malin. Sous l'emprise de Satan. Moi, si Oyo, le vrai Seigneur, c'est là qui est Satan, le grand chien. Parce que Yeba Bengi est petit chien. Bien aimé, Yebaka, le plus grand chien là, ne donne pas la paix. C'est pourquoi que moi, si Oyo, azo vivre dans la vie à tourment. Pas seulement son enfant qui est tourmenté, mais c'est elle qui est tourmentée parce que l'enfant représente l'héritage, représente les dons, la grâce que Dieu vous a donnée. Et c'est cette grâce-là, c'est ce don-là qui est menacé. C'est ce don-là qui est tourmenté. Quand vous allez chez le diable, oh, nous sommes en train de payer ça gratuitement. Satan a compliqué ça, a compliqué ça, a déstabilisé ça, a broyé ça, a écrasé ça. Pamba kaka okanisaka ke tango zo iba, tango zo salama soum, tango zo kenaka koluka bato,
Tant que vous avez des poisons, vous avez des poisons, parce que les grands chiens ont comme des agents des démons. Or, le travail d'un démon, c'est quoi? C'est de tourmenter. C'est pourquoi vous voyez que l'héritage de cette femme est tourmenté. Mais il y a une chose que cette femme a faite. Elle s'est approchée de Jésus. Il a poussé à qui na Yesu. A ebisi Yesu biki sangai. A zui engagement ko benga Yesu Seigneur. Elinge loba. Na uti na nga mbona mousous. Mboa oya munene wana. Satana oya maseke milai. A niokoli ngai. Badona ngai moko abruaye ngai. Vina nga depuis na kende pa na ye na zlagasu. Toujours na se ya tourmentation. Na tourmentation. Na tourmentation. Na tourmentation. Lelo na lembi vi wana. Na yo ki pa se tronzan. Na ye pa na yo. Yonde koma Seigneur na ngai. Zwa autorité sur moi. Oh, Dieu soit loué. Parce que moi, c'est eux à reconnaître Etanaye, Azamo Soumouk. Cette fois-ci, a décidé, Seigneur, je viens vers toi. Naye yoza la Seigneur Nangai. Le terme Seigneur, c'est-il le maître qui contrôle auprès de qui vous n'avez pas votre propre volonté, mais c'est celui qui décide sur vous. C'est sa volonté qui agit en vous. Il veut que le Seigneur, comme Paul l'a dit, ce n'est pas moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Maintenant, cette femme cherche qu'un colosse à la Seigneur Katinae à reconnaître que Naza Moutamassoum vit au Yamassoum et Nio Kolinga Ming. Nako continue boyeté, Nazu décision. Cette fois-ci, je viens, Seigneur. Zouanga en charge. Et cette femme, le Seigneur lui dit au Romona, qu'est-ce que Jésus dit? Oh, ta foi est grande. Et l'ingé le bâté que Yesu a s'exclamé parce qu'il a découvert, mais parce qu'il a ramené à cette femme qu'elle se découvre elle aussi. Qu'elle a une foi grande. Ndenge Antoine de Saint-Exupéry Aloba, un auteur Aloba, l'homme se découvre quand il se mesure devant l'obstacle. Ce qui nous semble à chaque abisson à la tentation, et ça peut tentation, à la épreuve. Ce qui nous semble à chaque abisson à la épreuve, et ça peut être à mon foi à l'abisson, et ça peut être à mon côté découvrir que je suis capable de renimer l'encolo, je suis capable de faire la boue, je suis capable de faire tel miracle, de renimer la pencolo, de faire tel problème, je suis capable de faire ma camion, je suis capable de faire ma moutou, de faire ma parcelle, je suis capable de faire ma moutou, de honneur. Ce n'est pas que Nzambe a découvert ce que nous avons été, mais nous avons même découvert. Notre Dieu, c'est un grand pédagogue. Il nous amène techniquement vers la connaissance de nous-mêmes pour que nous puissions nous découvrir. Comme il avait dit Socrate, connais-toi toi-même. Et le Seigneur nous amène à nous connaître nous-mêmes. À chaque abisson est prévité pour à découvrir. Mais à chaque abisson est prévité pour bisotoyeba, tu es capable de découvrir en face il y a problème que ah, n'est-ce capable de ça la boye. Dieu est grand, il est merveilleux. Qu'il nous aide, bien-aimés. Et la grâce qui est là, c'est quoi? C'est cette foi-là que la femme applique. Quand la femme a appliqué cette foi, le Seigneur aussi utilise sa foi pour l'amener à se découvrir. Et la femme s'est découverte que maintenant, elle ne mange plus de miettes. Et elle mange à la table. Il y a des juifs qui sont là parce qu'ils avaient des visions écourtées. Il y a des matériels. Le Seigneur a donné la grâce à tout le monde. Dieu est devenu notre Père. Il devient le Dieu de tout le monde. Et même toutes les nations sont devenues les nations de Dieu. Quelle grâce! C'est ce qui montre aujourd'hui. Cette grâce-là, le Seigneur l'a planifiée. Ce qu'on t'a dit, Romains 11, de 11 à 12, au Komona, qui est, de qui tout le temps, Romains 11 à 12, il dit, j'ai dit donc, est-ce que pour tomber qu'ils ont branché, loin de là, mais par leur chute, le salut est devenu accessible aux païens, afin qu'ils fussent excités à la jalousie. Or, si leur chute a été la richesse du monde, et leur amoindrissement, la richesse des païens, combien plus en sera-t-il ainsi quand ils se convertiront tous? Voici ce que dit Romain. Et donc, la résistance
les enfants qui devraient manger sur la table, bah boya qui n'a pas encore collé aux table, parce que vision c'est là qui nous couche, par contre c'est la roue à n'importe où sous. Mais la femme qui avait la vision est lancée, la vision élargie, la foi, parce que la Bible dit, nous ne marchons pas par la vie, mais c'est par la foi. Et la foi vous montre plus que jamais. La femme a compris, dans mon état de péché, celui qui est en face de moi, il est plus que celui qui délivre, qui donne à manger. Mais il va jusqu'à enlever des envoûtements, à délivrer du péché et à rendre libre que jamais. Que Dieu nous aime, peuple de Dieu. Je prie que le Seigneur puisse toi aussi, Nabilo Gonos est tourmenté, à cause de la lissou moumoko zalaki na yango. Satan a profité qui a bloqué ma finance na yo, qui a bloqué santé na yo, qui a bloqué nyoso oyo zalaki na ngoya motuya. Okoma ki même ekomba, a même akyo na via ki ndumba omela ki milangi, lelo même ibaze molongo la ki ozobota lissou souteme, je te dis, il y a une autre chose qui t'attend. C'est que retourne-toi vers Jésus, vois-les bien, les paniers circulent encore, le Seigneur fait encore sa grâce. Si tu t'y vas plus loin, yende abongsa ka ba trompe, ata ba kata yango ebeba na ba infection, le Seigneur est capable de renouer les trompes. Même ceux qui maladie moko ezoyo ya ndenge nini ya ndenge nini ndenge nini, le Seigneur yenda na ba pièces de rechange, parce que c'est lui le fabricateur, na benga ngo bongo pour les termes des humains, le fabricateur des pièces de rechange du corps humain. Il est créateur. Il est patient. Il ne te fait pas du mal. Ma réponse n'est que pour l'action qui est tribaliste. Mais à ce moment-là, on se connaître, on se découvrir qu'il est le Dieu d'amour. Il t'embrasse. Il ouvre ses mains. Il t'attend. Dis Seigneur, maintenant, je viens vers toi. Aide-moi Seigneur. Na nyoka miming na vi ona uto menenga imoko. Na nyoka miming na vi na uto salasima. Batu mususu pe ngai te me balandeli ngai. Pona ni na tangola ki biente bango ba resir ngai. O nzambe. Na yebi ke nazamo sumuki. Me yo mutu o linga kaba sumuki. O ye toujours pembe na ngai. C'est pourquoi zalaki devant moi si oye. E zalaki azar te. Me zalaki pour un bien précis. Yango pe o memelinga message ya lelo eza pona azar te, mais ça parce que na mitala kati na nga afin que na soit décision ya sika na tambola alima ndenge lingi yo na kombo na Yesu na lingi lisusu na zala itule matisa ngai na mesa nzambe ba mieti oyo na lembi yango bolingo na yo pe ekolinga te na kontina kana ba mieti na longwe na ngai sous l'emprise de ces chiens là les méchants atinda kaba demona epona ko tourmente ngai na bandi ko belela na kombo na Yesu. Demonio so oyo akota na vina yo, demonio so oyo Satan azo tinda po a tourmente akoti sa yo esprit ya distraction, akoti so esprit ya méchanceté akomi so meme na malade avandela ba finance na yo ozo meka moyen ezate ozo na poto me ozo na posa meme ozo na Afrique parce que ozo mona makambo ezo simba te et depuis okenda meme poto makambo ya kokanisa ke Afrique il faut sunga kame bande bozan Afrique obungisa yango a cause ya aventure okutana ngona poto et le diable a sunga ki yo ozala na ba erreur wana et le lope makambo komo changer coronavirus epai mbongo zozo le susute soko ndenge kozonga Afrique ozo tuna ndenge na kozonga Afrique. Dieu est encore là pour toi. Il était là, il ne te laissera jamais. Dis Seigneur, na sali erreur pendant 20 ans, mais tu es capable de me pardonner dans une seconde. Na ye liboso na yo, sunga ngai, limisa ngai, pezongi selanga nyoso oyo, nyoso si na bebi si na bomo ina ngai. Na yebi ke a cause ya masumu nde bebeli, mais Joel 2:25 lobi, armé nyoso tenaki contre ngai, oyo bebi saki biloko, oza capable de kozongi selanga yango, soki na poussa ni devant yo. Que le Saint-Esprit vous aide, qu'il vous donne l'esprit de la révélation dans le nom de Jésus-Christ, que notre Seigneur et Sauveur. Amen. Fidèles téléspectateurs et auditeurs de EHP Media, vous tous qui nous suivez de partout le monde, c'était là la voix de votre serviteur, le pasteur Chéribé Maïmona, et qui était devant cette présentation pour justement partager avec vous ce message que le Seigneur nous a mis à cœur, de connaître et de voir que ce passage biblique ne peut pas être interprété n'importe comment. Mais il faut voir les titres symboliques qu'il y a là-bas, parce que c'est Jésus qui vient accorder la grâce universelle à l'homme. Que tout le monde ne soit plus sous la table, mais que tout le monde mange sur la table, parce que Dieu ne nous a pas destinés au malheur, mais au bonheur. Il a dit,
il va nous honorer. Honorer parce que nous aussi, nous l'honorons. Que Dieu te fortifie, qu'il te donne la force de l'honorer et qu'il continue à te faire du bien au nom de Jésus-Christ. On se croise prochainement. Amen. IHP Media, la chaîne qui vous édifie.